se présente. Casimir, qui a déjà remporté le titre de champion de France au Cheval d'Arçon à égalité avec Poujade. Puis le titre aux anneaux, contrairement à ce que je vous avais annoncé, il y a eu rectification du jury et avec 9-10, eh bien, Casimir a remporté sa deuxième médaille d'or. Voyons aux barres parallèles. Barre parallèle où il est superbe, tous les agrès d'appui lui conviennent parfaitement. Équilibriste et puissant, regardez ici, il est enchaîné, il avale se sauter. Diamidov et Ekar, un grand tour autour du bras. Avec travail latéral, ça c'est original. Et vous vous souvenez du premier gymnaste qui a travaillé sur une barre latéralement, mon cher Eric? Michel. Le premier qui a travaillé latéralement, ouais. Je ne sais plus, non Pierre. Mais... moi je crois que c'est Barconer. Barconer qui avait aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en tout cas grâce à ce travail original, décroché une médaille d'or également. Eh bien Casimir, lui aussi avec ce Diamidov, c'est-à-dire un tour complet sur un bras que vous venez d'apercevoir, puis voilà. Ouais, il superbe, le double. Doublé. Et qui va repartir, ah c'est beau ce changement de face, sans hésitation. Et voilà le travail sur une barre, avec, regardez, il pèse 68 kilos Casimir. À peu près, oui. Vous voyez la souplesse de la barre qui fléchit lorsque l'athlète se balance autour d'elle. Ah, il faut une serre des mains. Voilà, le changement de place en sautant. Diamidov un quart, travaille sur une barre.